connais la Carac depuis plusieurs années. Mon père est ancien combattant, donc il a adhéré à ce titre. Et c'est vrai qu'être administratrice de la Carac, c'était pour moi l'occasion de connaître l'entreprise d'une autre façon et d'y apporter ma contribution pour l'avenir. Je défends les intérêts des adhérents par le conseil d'administration, par les décisions qui sont prises, en m'assurant à l'occasion de ces conseils que nous choisissons des voies dans l'intérêt de l'adhérent et donc de moi-même, puisque je suis moi-même adhérente. Mon rôle dans le conseil d'administration, c'est d'amener un œil averti aux décisions qui sont prises, puisque je suis donc par ailleurs un professionnel de l'assurance et donc on traite des sujets que je connais bien. Et donc ça me permet d'apporter un avis et une autre façon de voir les choses dans les décisions qui sont prises. Pour moi, l'engagement est la valeur fondatrice de la Carac, puisque c'est d'abord l'essence de son activité, puisqu'elle a pris des engagements vis-à-vis de ses adhérents, donc c'est son but premier. Et on le voit dans tous les aspects de l'entreprise, que ce soit au niveau des salariés qui sont engagés à faire en sorte que l'adhérent soit bien servi, mais aussi à travers les élus, les administrateurs qui, de façon bénévole, accompagnent l'évolution de la Carac tous les jours.